tout va bien déjà. Je suis reparti de Hagiang ce matin, après avoir fait une petite halte au stand pour mettre un petit coup de polish sur Chico, qui fonctionne encore mieux. D'ailleurs, il fonctionnait super bien, mais il fonctionne encore mieux. Et du coup, j'ai démarré la boucle de Hagiang. J'arriverai pas avec ce nom. Hagiang. Hagiang. Bon, bref. C'est vrai que la route est plutôt stylée. On passe par des grands plateaux avec vraiment des superbes vues. Et donc, ça fait du bien. Et là, je viens d'aller faire une petite promenade pour aller visiter une caverne. Mais j'ai pas trop aimé. Trop bien agencé en fait. C'est que c'est un peu genre pour personnes âgées. Voilà. Le truc où tu vois, il y a des marches, on est là, oh, ah, il y a des lumières partout. Non, je trouve que ça fait trop. Non, c'est trop organisé, moi j'aime pas. Je préfère quand c'est le noir complet, si jamais t'as pas de torche et des merdes quoi. Donc là, je vais repartir. J'y vais tranquillou, hein, parce que là, les dernières fois, j'ai quand même bien tapé niveau kilomètre, hein, 240 bornes hier. Aujourd'hui, j'en fais juste une petite centaine. Et comme ça me permet au moins de prendre plus le temps et puis de m'arrêter dans des endroits, juste voilà, prendre des photos, boire un petit thé. C'est le thé qui remonte d'ailleurs, petit thé au gingembre. Et voilà, au moins prendre le temps de faire des choses à côté aussi, comme là la caverne, si jamais je trouve, je sais pas, une rivière ou une cascade dans un coin, je pourrais faire ça aussi. J'avance doucement mais sûrement. Après avoir fait les trois quarts de la boucle, je vais bifurquer, je vais aller en direction de Babé Lake. Et après en fait de Babé jusqu'à la côte, je sais pas s'il y a grand chose à voir. Bon, après la route est toujours belle parce qu'on est en plein dans les montagnes et du coup c'est stylé. Mais il me semble pas d'avoir vu vraiment d'attraction. Donc ça va être au feeling je pense. Et après pour finir ce sera l'île de Katba. Bon, c'est pas grand chose à faire aujourd'hui, il y a encore 50 km donc j'ai encore le temps de m'arrêter plusieurs fois. Si jamais il y a des trucs intéressants. Presque arrivé, c'est encore moins de 10 km et j'ai fait tout un passage là, magnifique dans une forêt de sapins. Là, je comprends pourquoi la boucle est assez prisée en fait. J'ai vu plein de gens qui avaient loué leur propre moto, après j'en ai vu plein aussi qui avaient loué avec chauffeur. Et je savais pas trop que ça se faisait, surtout pour ce genre de truc où il faut quand même 2-3 jours minimum, il y en a qui le font en 4 même j'ai entendu dire. Et voilà, de louer un chauffeur, surtout que la route est super agréable, quoi, c'est bien foutu, il n'y a pas trop de difficultés, et c'est vraiment super agréable de conduire là-dessus. C'est fou, c'est juste fou, quoi. Des lézards partout. J'ai pas envie d'arriver, en fait. Bon, après, il me reste encore... C'est encore temps. Arrivé à Yen Bin, j'ai pu déjà aller faire un petit tour. Enfin, un petit tour, il n'y a pas grand chose, hein, c'est juste genre une rue. Bon, j'ai trouvé à dormir ce soir. Bon, les matelas, c'est un peu genre du carton et du bois, mais comme s'ils avaient pris la flotte, un peu genre mousseux. Mais bon, moi je fais tout ça, comme ça que je vais être peinard. Je me suis pris un jus de brocoli épinard, je sais pas, c'est du sucre de canne. Et dîner de famille ce soir. Hello! Ils sont mignons, ils disent tous bonjour. Hello.
Rangana, 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 Rang